Fin du projet Pro Emploi au Burkina. Après 4 ans de mise en œuvre, le projet de l'emploi pour les jeunes en milieu rural est à son terme. Réunis en atelier, les acteurs ont pu apprécier les réalisations et les acquis engrangés. Il est dit que les acquis engrangés sont d'un grand succès avec plus de 9000 jeunes et femmes touchés. Alassane Kendrebego et Rumial Patrice Toué. Près de 5000 emplois générés au profit des jeunes, 2000 exploitations agricoles réalisées et 300 jeunes formés en programme de formation élaboré. Bref, plus de 9000 jeunes et femmes ont bénéficié de l'intervention du projet promotion de l'emploi pour les jeunes en milieu rural Pro Emploi. Un projet lancé en 2020 avec pour mission améliorer les possibilités d'emploi et de revenus des jeunes et femmes en zone rurale. Le projet a travaillé dans 3 champs d'action. Le premier champ d'action portait sur la qualification des jeunes sur des métiers porteurs. Et c'est dans ce cadre que nous avons travaillé avec 12 centres de formation pour implémenter des programmes de formation sur l'élevage de poulets, sur l'entretien des vergers. Nous avons également travaillé sur la transformation des produits agroalimentaires et nous avons eu un programme transversal sur l'entrepreneuriat. Et à ce niveau, nous avons pu former plus de 6000 jeunes. Nous avons un troisième champ d'action qui porte sur la mise en relation entre les entreprises et les chercheurs d'emploi. Je voudrais bien remercier tous les partenaires techniques, financiers et stratégiques. C'est très impressionnant qu'est-ce qu'on a achevé avec ce projet-là. C'est très important pour l'Allemagne de rester engagée au Burkina Faso, particulièrement au secteur agriculture et agroalimentaire. Pour la Direction générale du foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural, c'est un bilan positif au vu des résultats engrangés par le projet. Le bilan est très satisfaisant parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés et des femmes, que ce soit dans les questions de filière, que ce soit dans les questions de transformation agroalimentaire. Et donc c'est des métiers, donc ces jeunes-là pourront occuper et puis refaire pleinement, c'est-à-dire que leur parcours professionnel. Le Pro Emploi est financé par la République fédérale d'Allemagne et mis en œuvre par la coopération allemande GIZ. Le projet a couvert les régions du sud-ouest des Cascades au bassin, de la boucle du Monde, de l'est du centre-ouest et de la province de la Sicile.